Les Roms sont un peuple en Europe qui a été mal compris par toute l'humanité. Vous les connaissez probablement sous leur nom, les Gitans, les Manouches, les Tziganes. Un mot utilisé en pensant qu'il venait d'Égypte ou de Roumanie. Un mot dérivé du grec tsiganos. Mais ce sont des noms que d'autres ont donnés à un large groupe de personnes dont l'origine remonte à l'Inde il y a environ 1500 ans. Et les Romani sont un groupe ethnique décentralisé couvrant l'Europe et le Moyen-Orient qui a migré de l'Inde au Moyen Âge. Nous le savons grâce à la langue qui fait partie de la famille linguistique indo-aryenne, une famille de langues que l'on trouve principalement dans le sous-continent indien. Il est particulièrement important de noter que les pays européens ne sont pas uniquement des Européens, mais vous avez aussi des Tziganes, et qu'elles diffèrent considérablement d'un endroit à l'autre. Les Calais en Ibérie sont différents des Lavaris en Hongrie ou les Sinti en Allemagne. Pourtant, ils parlent tous ou au moins la même langue, partagent un profil d'ADN similaire et maintiennent des aspects d'une culture similaire. Des éléments comme la musique ainsi que la danse jouent un rôle fondamental dans l'identité ethnique des Romani. Notamment, les autres Romani en Espagne et en France ont été responsables de la création aussi unique que le flamenco et le manouche jazz. Il faut savoir que c'est un sujet complexe, beaucoup de recherches pour aborder le sujet des Roms. Les Romani ont un besoin d'urgent d'unification avec leur communauté plus largement. Ils ont fait l'objet d'une discrimination systématique pendant plus de 500 ans. Pour en apprendre plus de ces groupes ethniques, regardez l'histoire, leur sociologie. Examinons les génétiques, car cela révélera l'histoire migratoire complexe que ces personnes ont un teint plus foncé par rapport à leurs voisins environnement. Ils semblent distincts parmi les groupes de personnes. C'est parce que, comme vous l'avez deviné, ils ont un profil génétique distinct. Le Romani moderne peut être classé en trois groupes génétiques qui sont l'Asie occidentale, l'Asie centrale et méridionale, ainsi que l'Europe. Il y a eu des recherches de l'ADN et voici les résultats des 23 d'ADN. Le Romani, malgré un degré élevé de mélange européen, ont un remarquable haute composante asiatique occidentale, encore plus que leur ADN sud-asiatique. Le profil génétique des Romani est quelque peu représentatif de leur culture. Un exemple, tout ce que vous avez à faire est d'écouter de la musique romani pour comprendre les influences indiennes et européennes du Moyen-Orient. Mais cela ne se limite pas à la musique, en fait. En Arménie et au Moyen-Orient, on se demande toujours s'ils sont effectivement liés aux Romani
et ils semblent partager des aspects d'une culture et d'une langue similaire. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils s'organisent au sein de leur communauté respective. La plupart de ces nomades en Iran, par exemple, ont adopté une variété de désignations et de castes différentes au sein de leur société, telles que les Angari, qui sont les forgerons, et les Kartebakti, qui ont tendance à être des serviteurs. Les Romani et l'Europe s'organisent aussi apparemment en castres. Par exemple, vous avez les Kaldaresh, qui sont tendance à être des forgerons, ou les Laotari, qui sont des musiciens. La façon dont les Romani et les Alvamari, Dammari s'organisent dans leur société respective peut être une indication supplémentaire qui sont liés les uns les autres. Les Roms ont commencé à apparaître dans les récits européens au XIe siècle avec les sources byzantines détaillant un peuple appelé Tsigano. Constantin, en l'an 54, les Romani avaient atteint les Balkans en 1424, l'Allemagne au XVIe siècle. Ils sont arrivés en Écosse et en Suède. Au début, les Européens qui ont rencontré les Romani les ont accueillis très chaleureusement. Les aristocrates qui ont rencontré les Romani au XVe siècle leur ont donné des lettres de protection pour voyager d'un pays à l'autre. Les Romani ont adopté la culture environnante partout où ils sont allés. Par exemple, la plupart des Romani ont adopté les religions dominantes dans leur région où ils se trouvent aujourd'hui. Beaucoup de Romani au Moyen-Orient et en Iran sont musulmans. En Amérique du Sud, la plupart sont catholiques, tandis qu'en Europe, du Nord et de l'Ouest, ils sont protestants. Dans les Balkans, ils sont orthodoxes. La bonne volonté précoce envers les Roms a cependant commencé à disparaître. Et les Européens ont commencé à en vouloir aux Roms, qui refusaient de s'intégrer pleinement dans la société. Les Roms, en 445, Vlad, l'homme qui était devenu la base de Dracula, a capturé plus de 10 000 Roms bulgares. Il les a envoyés en Roumanie comme esclaves. Dans les années 1700, le Portugal est devenu le premier pays à déporter des esclaves Roms pour travailler dans les colonies en Inde et au Brésil et en Afrique. Les Français ont envoyé des serviteurs Roms dans les plantations dans les Caraïbes. Et les navires espagnols dans les colonies d'Amérique du Nord et du Sud. L'oppression des Roms ne se terminera pas tout au long de l'histoire. J'ai été choqué qu'il y ait eu une persécution systématique, continue, contre ces personnes. Il semble comme si la seule forme d'acceptation de racisme qui existe aujourd'hui sont envers les Roms. Et il est normal en Europe d'en vouloir aux Roms. Il est normal de les calomnier. Leur lutte, quelle qu'elle soit aujourd'hui, ont été confrontées tout le temps, stigmatisées. La langue romani fait référence au génocide commis contre la population romani en Europe. Alors que le génocide du peuple a été reconnu lors des procès de Nuremberg et que le gouvernement allemand a payé des réparations de guerre aux survivants juifs de l'Holocauste,
Le génocide des Romani n'a été reconnu qu'en 1982. Jusque-là, le gouvernement ouest-allemand a nié que le Romani faisait l'objet d'une persécution à motivation raciale. Au lieu de cela, il a insisté sur le fait que les Romani étaient emprisonnés pour leurs caractéristiques asociales et criminelles, permettant au gouvernement d'éviter la responsabilité de la discrimination raciale et de les indemnisations pour le génocide, car nous pouvons voir que la discrimination systématique qui s'est produite pour les Roms est profondément enracinée dans la société européenne. Pour comprendre cette histoire avec plus de détails, il existe une autre histoire en Iran. Selon la légende, le roi perse a donné aux Roms un bœuf, un âne et un sac de grains, en leur demandant de les élever et de les cultiver. Les Roms auraient accepté le don et commencé à travailler la terre, élevant le bœuf et l'âne pour les utiliser dans les champs. Cependant, un jour, le roi aurait visité les Roms pour voir comment ils se débrouillaient avec le cadeau royal. À sa grande surprise, il aurait trouvé les Roms en train de danser et de chanter autour du bœuf et de l'âne plutôt que de les utiliser pour travailler la terre. Le roi aurait alors demandé aux Roms pourquoi ils gaspillaient aussi leurs cadeaux. Et les Roms auraient répondu que leur culture ne le permettait pas d'exploiter des animaux de cette manière, car il est considéré comme des êtres vivants dotés d'une âme. Le roi aurait été impressionné par la sagesse des Roms et aurait accordé à leur communauté le droit de vivre librement sans être soumis aux lois, aux impôts de l'État. En Europe, les Romani de l'Est, les Roms sont concentrés dans les pays tels que la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie et la Serbie. Les estimations varient, mais il est estimé qu'il y a environ 2 millions de Roms en Europe de l'Est. La plupart des Roms sont chrétiens, orthodoxes, ou suivent une forme de christianisme combinée à des croyances traditionnelles. En Espagne, les Roms, du nom donc portent le nom de gitanos, sont estimés à environ 750 000 personnes. Pour la plupart, sont des catholiques. En France, sont estimés à environ 400 000 personnes, bien que les chiffres exacts ne peuvent pas être comptabilisés, car ils sont sans papier. Le drapeau romani est un symbole de l'identité et de la solidarité de la communauté romani, qui est l'une des minorités ethniques les plus importantes en Europe. Ce drapeau est composé de deux bandes horizontales égales, l'une bleue et l'autre verte, séparées par une bande rouge en forme de roue. La bande bleue représente le ciel et la liberté, tandis que la bande verte représente la terre et la nature. La roue rouge, quant à elle, symbolise la vie et le mouvement, ainsi que le caractère itinérant et nomade de la communauté romani. Le peuple romani est unique et reconnaissable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leur histoire et leur culture ont été façonnées par leurs origines nomades ayant voyagé de l'Inde vers l'ouest en Europe et dans d'autres parties du monde. En conséquence, ils ont développé leur propre langue, le romani,
ainsi que des traditions et des coutumes distinctes. Un autre facteur qui les rend uniques est leur forte cohésion familiale et communautaire. Les liens de parenté sont très importants et les familles sont souvent très étendues, avec une structure hiérarchique et des règles clairement définies. Les membres de la communauté romani sont également très solidaires entre eux et ont des normes culturelles et morales strictes qui régissent leur comportement. Enfin, les Roms ont souvent été victimes de discrimination et de préjugés dans de nombreux pays, ce qui a renforcé leur identité collective en tant que peuple marginalisé et persécuté. Cela a conduit à la formation d'un mouvement de défense des droits des Roms et à une plus grande prise de conscience de leur culture et de leur histoire. Coutumes. Les coutumes romani varient en fonction de la région et du groupe spécifique. Le premier, la famille, est très importante dans la culture romani. Les membres de la famille étendue sont souvent très proches. Les mariages sont souvent arrangés et les femmes romani sont souvent considérées comme les gardiennes de la culture et de la tradition. 2. La musique et la danse sont des éléments importants dans la culture romani. La musique traditionnelle est souvent jouée à la guitare et au violon, et les danses effectuent des mouvements rapides et gracieux. 3. La nourriture. La nourriture romani est souvent simple, mais très savoureuse. Les plats populaires comprennent le goulash, la soupe au pois, le riz aux légumes et le pain plat. Les Romani ont également une tradition culinaire appelée Kamavipen, qui signifie « amour de la nourriture ». Cette tradition implique de partager la nourriture avec les autres membres de la communauté. 4. Les vêtements. Romani sont souvent colorés et ornés. Les femmes portent souvent des jupes longues et des chemisiers brodés, tandis que les hommes portent des vestes décorées et des pantalons assortis. 5. Les croyances religieuses des Romani varient également, mais beaucoup suivent une religion basée sur le folklore et suspicion. Les croyances populaires incluent la croyance en la magie et en la sorcellerie, ainsi que l'importance des amulettes et des talismans. 6. Les Romani ont également une tradition orale riche, avec des histoires et des contes transmis de génération en génération. Ces histoires sont souvent utilisées pour enseigner des leçons de vie importantes aux enfants. 7. Les festivals et les célébrations sont également importants pour la culture romani. Les fêtes sont souvent célébrées avec des danses, des chants, de la musique et de la nourriture et peuvent durer plusieurs jours. Kamavipen est un concept important dans la culture romani. Il fait référence à la souffrance et à l'oppression que le peuple romani a subi au fil des siècles. Le terme Kamavipen vient du mot romani kamav, qui signifie douleur ou souffrance pour les Roms. Le Kamavipen est un état constant qui les relie les uns des autres, car ils partagent tous une histoire similaire de discrimination et de persécution et de stigmatisation. Le Kamavipen est considéré comme une source de force pour les Roms, car il les aide à se
à rassembler et à se soutenir mutuellement face à l'adversité. Les Roms ont développé de nombreuses formes d'art et de musique exprimant leur expérience de Kamavipen, ainsi que leur résilience et leur résistance face à l'oppression. La musique romani est souvent émotionnelle et passionnée, reflétant la douleur et la joie de vivre de ce peuple. Le Kamavipen est également étroitement lié à la notion de Kamavipen, qui fait référence à l'identité romani et à la fierté de cette identité. Les Roms considèrent le Kamavipen et le Romipen comme des aspects essentiels de leur culture et de leur histoire. Djoujevdan est une fête célébrée chez les Romani, surtout dans les Balkans. Il s'agit d'une célébration qui marque les débuts du printemps et l'arrivée de la nouvelle année. Djoujevdan signifie littéralement « jeune vieux jour » en Roumanie, ce qui reflète la croyance selon laquelle le vieil homme d'hiver se retire et laisse la place à un jeune printemps. Cette fête est le 6 mai. Pendant Djoujevdan, les Romani organisent des festivités et des banquets où ils partagent des plats traditionnels, des danses au son de la musique. Ils portent des vêtements de couleur et des bijoux et ils décorent leur maison avec des branches d'arbres et de fleurs pour symboliser le renouveau de la nature. Un élément important dans la célébration de Djoujevdan est la pratique du bhajanak, qui consiste en la fabrication d'un bâton décoré avec des rubans et des fleurs. Les bhajanak est censé représenter la force vitale de la nature et les Romani croient que la portée leur apportera chance et prospérité pour la nouvelle année. Il existe plusieurs légendes et mythes sur les Romani à travers le monde. Voici quelques exemples. Le numéro 1. La légende de la création des Romani. Selon cette légende, Dieu a créé les Romani à partir de la poussière et de la terre pour être un peuple nomade et errant. Il leur a donné des dons spéciaux tels que la musique, la danse et la divination pour les aider à survivre dans leur vie nomade. 2. La légende du violon. Une légende très populaire chez les Romani est celle du violon. Selon cette légende, un jeune Romani nommé Django, qui n'avait jamais joué de musique auparavant, a trouvé un violon abandonné dans une cave. Il a commencé à jouer du violon et a rapidement découvert qu'il avait un talent naturel. Cette légende est devenue un symbole de la passion et du talent des Romani pour la musique. La troisième légende, la légende de la lune et du soleil. Dans cette légende, la lune et le soleil se disputent pour savoir qui est le plus important. Les Romani sont appelés à juger et décident que la lune est plus importante car elle brille pendant la nuit lorsque les gens ont besoin de lumière pour se déplacer. Cette légende est considérée comme une métaphore de la sagesse des Romani et de leur capacité à trouver des solutions créatives aux problèmes. La numéro 4. Légende de la prophétie des oiseaux. Selon cette légende, les Romani ont été guidés
vers leur destinée par une série d'oiseaux qui leur ont montré leur chemin. Les oiseaux leur ont dit que leur destin était de voyager à travers le monde et d'apporter la paix et la compréhension entre les peuples. Ces légendes et mythes sont très importants dans la culture et la tradition des Romani, car ils les aident à transmettre leur histoire et leur identité à travers les générations. Oh, mama, mama, voy que...
μέρα πως σαν τούτος είμαι που μοβίλω νιγαρέω σαν μου τούτ μαγκαβά του και καμέρα Ω μαμά μαμά βοή και νελ παιδάμα δεν είναι πολύ λαμά σαν μου πολύ ρίλμα Ω μαμά μαμά βοή και νελ παιδάμα δεν είναι πολύ λαμά σαν μου πολύ ρίλμα Možda jedan ili dva vrela ponuca Ko si ti, ko sam ja, šta je naša sudbina Možda jedan ili dva vrela ponuca O mama, mama, vojke rel me dama Vene li volilma, samo volilma O mama, mama, vojke Θα το φέρει τα λεσκούσα μου κύριε Μπέγα Φέρα μπέλα τσακατιβόρ μας Σαβέλε Βαχταλή τα μπέλα Ζάλε μόρμα Κύβι τα λίκη στο κούτι σύνδε Και τα μπέλα αντιβάει Βαχταλή Σαβέλε En el carácter y put
Tartaria. Lași vorba-i ca tine. Încă n-as manuș de pocine. O feri pendas, feri la la shago. Dorba sa si pesa kodi shi nege shavale. Ha pendas, ya idaro madiro mano. Kanani bamulatia, kote bayo na shte. Dai vice ci sa despio, dai tu mezza mula. Perché colpa sciavale, o per il fedel. Giunga di forma pure l'ago, Franco. Tra de da de yang la man de tai me da de pala tu te. Se baio nasci ay 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 da venaldi vai battere sogo di scene chavale dello tempo tu mano sassimo al sacco te vas del pesco pocari chavale. Haideți, eu sunt de la la șeul, la tefurul, te surul, cu să pescă sulevul. Haideți, de la de la Sivai, sunt de șaima la Juvas, voia să bucuria sa. Ciao,
vergonzas tendré, mátalo, Paco Shai Barbare. Chavorale, morale, neca vergonzas tendré, mátalo, Paco Shai Barbare. Ah, cosa hai barbale, ah, cosa hai barbale.